cette lune pour menacer le flanc de l'ennemi. Stratégiquement, c'était parfait, mais... Sans rapport. Oui, la puissance des moissonneurs est telle qu'ils sont à ainsi dire immunisés à ce genre de tactique. Le Primarque a payé de sa vie pour le comprendre. Désolé, c'était un homme compétent, je crois. Oui, et un ami proche. Il aurait fait un excellent diplomate. Et maintenant ? Les règles de succession de la hiérarchie turienne sont très strictes. Oui. Général Corinthus ? Nos pertes sont telles que j'ignore qui est le nouveau Primarque. Il faut poser la question au commandement de Palaven. Mais c'est impossible pour l'instant. Notre tour de transmission ne fonctionne plus. La zone est infestée de zombies qui nous empêchent. Ah, c'est pas un problème ça. Ne vous inquiétez pas, général. Je vais m'occuper. On va se marrer, j'adore les zombies. Merci, commandant. Je vais m'occuper. Au pire, j'ai un fusil à pompe. Bien, on y va. Je vois la zone de transmission. À gauche de la main principale, devant Palaven. En avant. Merci. En avant. Il y a même des turiens, j'espère qu'ils vont vous filer un petit coup de main. Il est mort, hein, ça sert à rien de lui tirer dessus. D'accord, en fait ils vont juste faire les guignols. Ça sert à rien ces mecs. Zombie! Ouais! Je les adore. Oh, oh, je les adore. Venez copains! Oh! Coco, il y en a d'autres. Petit, 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 je vais pas vous faire de mal. Enfin, pas trop. Il faut imiter le bruit du zombie. On peut pas la réparer depuis ce panneau. Je vais plutôt demander à Liara, parce que James, c'est le bourrin de... C'est le bourrin. Liara, essayez de la réparer. Je vais jeter un coup d'œil. Si vous pouviez empêcher les zombies de me suivre, ça m'aiderait. Ok. Petit, 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 il faut, voilà. Imiter le bruit de la femelle James. Zombie pour les attirer. Oh ouais, on va se faire. Oh merde. Purée, ils explosent. Sacré laser à particules. Petit, 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 cote, cote, cote. Pio, pio, pio. Zombie suivant. Je les adore ces zombies. Je pars, j'ai rétabli la connexion satellite principale de la tour. Je descends. J'aime tellement ces zombies. Général, vous me recevez? La tour de transmission est opérationnelle. Merci à vous, commandant. Je vais contacter le commandement de Palaven. Tenez-moi au courant dès que vous en savez plus. D'ici là, je vais aider vos hommes. Toujours des zombies. Oh, petit, petit, petit. Je pars. Terminé. Pio, pio, pio. J'adore ce job. Ah, oh, mes amis, mes petits amis préférés. Il y en a d'autres. Mais que demande le peuple, franchement. Il y a des zombies partout, c'est génial. On a juste à les tabasser. Oh. C'est tout. Oh. Je vous écoute. J'ai reçu des informations du commandement de Palaven. Oki doki, je serai là avant, même que tu t'en rendes compte. Je pense que je suis le seul grandieux à être passé 3 fois devant le général Corinthus sans l'avoir vu. Comme quoi. Qu'avez-vous trouvé? Comme votre partenaire vient de le dire, la succession ne pose généralement aucun problème. Mais dans le cas présent, c'est le chaos au niveau de la hiérarchie. J'ai besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour obtenir les ressources turiennes. Je m'en occupe, Shepard. On va retrouver le Primarque. Garus Vakarian. Pardon, monsieur Vakarian, je ne vous avais pas vu arriver. Repos, général.
Je suis très heureux de vous revoir. Je vous croyais sur Palaven. Si nous perdons cette lune, nous perdons Palaven. Et comme je suis le seul expert concernant les poissonneurs, je conseille. James, voici Garrus Vakarian. Il m'a aidé à combattre les récolteurs. C'est un sacré soldat. Peu de le dire. Ah. Lieutenant, ravi de vous voir. Ah, t'as pas fait de chirurgie esthétique, toi. Contente de vous revoir en vie, Garrus. Le général Corinthus m'a tout expliqué. Nous savons qui est votre homme. D'après le commandement, le nouveau primarque est le général Adrien Victus. Victus ? J'ai vu passer son nom. Vous le connaissez ? J'étais avec lui pas plus tard que ce matin. C'est un soldat expérimenté. Ses hommes l'admirent. Le commandement, un peu moins. C'est un électron libre qui ne respecte pas la stratégie. Ça peut être intéressant. Que voulez-vous dire ? Sur Tétrus, pendant la révolte, il a découvert un réseau d'espions galariens au même moment que les séparatistes turiens. Au lieu de démanteler le réseau, il s'est contenté d'attendre. Il a même abandonné des fortifications aux rebelles. Les rebelles ont attaqué les galariens, et après avoir laissé les deux parties s'entretuer, Victus est intervenu. Il n'a pas perdu un seul homme ce jour-là. C'était une stratégie audacieuse, mais l'audace est rarement récompensée par la hiérarchie. Victus Primarch, j'ai du mal à y croire. Vous pensez qu'il sera à la hauteur ? Les stratégies conventionnelles sont inefficaces contre les moissonneurs. Victus est peut-être l'homme de la situation, et j'ai confiance en lui. Parfait, on le trouve et on se tire d'ici. Commandant ! Au moins il est efficace, c'est ce qui compte. Joker, ça peut pas attendre, le moment est mal choisi. On a un problème avec le Normandie, commandant. Le vaisseau est comme possédé, plus rien ne répond, les systèmes sont actifs sans raison. Je comprends pas d'où ça vient. Je veux le Normandie à côté, une évacuation est possible. Dois-je retourner au Normandie, jeter un coup d'œil ? Ok. Garrus, vous avez vu Victus ce matin ? Oui, mais on a été séparés. Il est parti renforcer un flanc qui menaçait de céder. Je ne sais pas où il est maintenant. Nous essayons de le joindre, commandant. Un psychosaure, il se dirige vers l'aérodrome ! C'est quoi ce truc ? On dirait un insecte zombie. Général. Je savais pas qu'on affrontait la Légion Ardente d'Arthast, hein. D'Arthas et... On va voir ce monstre à l'armée, vous savez. Venez, Garrus. Vous plaisantez ? Franchement, je savais pas qu'on affrontait les légions morts-vivantes d'Arthas, hein. Vraiment, je le savais pas. allez. James, c'est vous qui respirez comme ça ? L'atmosphère plus masse, c'est ce à quoi je suis habitué, c'est tout. Merde! Ah oui, ils se battent par contre avec des armes. Vous avez raison. Ouais. C'est vrai, il ressemble à des curiens, merde. Allez, on parle de la tarte déverrouillée. J'ai un singulier attaque au corps à corps. Omnilame. Ouais. Bon, je sais, il faut que je remonte. Bon, j'ai pas gâché ça juste pour des zombies. Ah, c'est maraudeur. Ah merde, il s'est fait tuer.
tourelle. Non, je peux pas, ouais, je peux pas tirer. Ah, ok. Wouah. Buteuse. Bien chaud. On va être à peu fermé. Au moins, au moins, je suis pas le seul à m'amuser. Allez, un peu plus lourd que du zombie là. Une tourelle lourde. Ils sont au-dessus de nous. Merde, ouais. Attention, voilà une nouvelle vague. Ouais, comme un autre enfant. Et il tire sur cible. Une expression sportive, comme à l'entraînement. La sarène. Sarène après sa transformation. Ça c'est une brute, je parie. Ouais. Ah, zombie. Merde, je suis bloqué. Tu veux te battre, toi? Voilà, couché. Non, mais comme ça. Oh là là. Shepard, ici Commodus. Des nouvelles du Primarque? Non, impossible d'établir une liaison stable. Bien, dans ce cas, j'y vais à pied. Bien, terminé. Montrez-moi le dernier endroit où vous avez vu Victus. Niveau supérieur. Mine de proximité. J'avoue que j'ai un doute concernant l'utilité de la mine de proximité. J'y suis presque. 35 levels sur 50. Et encore, je crois qu'il y en a, et encore, il y en a 60 en tout. On est loin? Ça devrait aller vite, à moins de tomber sur un. Ah, d'accord, faut le suivre. Ok. Puis
plusieurs séquences bien faites quand même.